Il a déjà lancé à 55 mètres et là, il nous promet d'aller encore plus loin, de battre le record de Martinique. Et il a besoin de nous. On va taper dans les mains pour Marc-Alexandre et le lancer du disque. Public, Jodia. On tape dans les mains pour Marc-Alexandre Delain du Zénith de Ducos. C'est sûr. Ouh, on va se rapprocher pour connaître la performance. Un essai. Dis-moi tout. Angela Feyo-Virgal. Angela Feyo-Virgal, deux mots sur cette manifestation aujourd'hui au loin. Eh bien, c'est une magnifique manifestation. Ça nous avait vraiment manqué d'avoir du niveau et du très bon niveau, du haut niveau aujourd'hui en Martinique, sous cette très belle piste du Lorrain, que ce soit tant dans les concours où nous voyons des personnes de Grenade, des athlètes de la Dominique, de la Guadeloupe également. Sur la piste, on a vu du 100 mètres avec la meilleure française du moment, sur 60 mètres en salle. On a vu le 400 mètres avec Gilles Biron. Donc vraiment, c'est un très, très bel événement organisé de mètre de mètre par le RAN. Alors, est-ce que Dame Nature vous a trop gêné? Alors forcément, on aurait préféré un soleil, une piste qui glisse un peu moins, mais je trouve que les athlètes font contre mauvaise fortune bon cœur et ils ont vraiment beaucoup de mérite. Comme ça part, ça mettra en sport. Je récupère ma feuille. Je peux avoir la feuille du ski plus, s'il te plaît? Excuse-moi. C'est parti pour 100 mètres d'e-sport femmes. 100 mètres d'e-sport. Les athlètes de Jocelyne Nina, mais également des clubs affiliés à la Fédération française de handisport. Sous vos applaudissements. Et moi? Monsieur Bia qui est prioritaire, je ne comprends pas hein, vraiment que le juge arbitre, que monsieur... Je ne comprends pas hein, vraiment. Hein. Ah, vous pouvez dire ça, c'est pas vrai. Vraiment.